Non, la voie générale n'ouvre pas toutes les portes. La voie générale ouvre beaucoup de portes en fonction des spécialités que vous avez choisies. Nos spécialités sont maths, physique, sciences de l'ingénieur, numérique et sciences informatiques, SVT ou LFCE. On impose maths et physique en première. Et à travers ces spécialités, on va avoir forcément tous les domaines scientifiques qui vont s'ouvrir et potentiellement, grâce à la spécialité maths, d'autres domaines tels que commerce, Sciences Po, des choses comme ça. Le tronc commun qui a été créé sur le bac général, comme le nom l'indique, il est commun à tous les élèves qui vont suivre un bac général. La différence va se faire après par le choix des spécialités. Ce tronc commun, il est important parce qu'il remonte majoritairement en contrôle continu et ce sont des enseignements majoritairement littéraires. Nous avons deux enseignements optionnels pour le bac général à Saint-Nicolas. Les deux enseignements optionnels dépendent de la spécialité mathématique. On a spécialité mathématique en première. Si on l'abandonne pour la terminale, on peut suivre l'enseignement optionnel maths complémentaire, 3 heures par semaine. Si on conserve l'enseignement mathématique en terminale, on peut y rajouter 3 heures d'enseignement optionnel maths experte. Toutes les poursuites post-bac sont accessibles par un bac général à partir du moment où les spécialités vous permettent de rentrer dans les domaines des poursuites d'études. Mais on va retrouver tout type de poursuites d'études, BTS, bachelor universitaire et technologique, cycle universitaire, école spécialisée, formation d'ingénieur, prépa intégrée ou classe préparatoire dans les écoles. Moi, j'ai tendance à dire que ce qu'il faut travailler, c'est le domaine d'appétence et la poursuite d'études. Et identifier un établissement qui vous permet, après une seconde, de pouvoir avoir accès à ce domaine, soit par la voie générale, soit par un bac technologique. Un bac technologique est aussi performant dans le domaine du bac technologique qu'un bac général.